Et salut YouTube, toujours sur Twitch, dans la partie du stream de ce soir, on est sur Juice 2. Re-Hero évidemment. Et League 2. League 2. Et on va se concentrer sur un championnat de drift. Championnat de drift. Pourquoi y'a pas la distance sur celui-ci? 10 km, ouais, vas-y. Ah ouais, du coup ouais, j'ai dépouillé tout le monde. Non, on va garder la Holden, elle est bien. Elle est bien la Holden en drift. C'est mieux que tu fasses The Sim 1 sur le monde. Ouais, exact. C'est vrai, ça, en plus. Il y avait un mode scénario. Ouais, ouais. Allez, on fait un follow. Non, on se calme. Okay. Déjà, j'ai programmé 2 heures. Je sais pas, ça va être pas trop chiant, 2 heures. J'ai mis 2 heures, non? En fait, je sais pas trop, tu vois. Déjà, les Sims, ça va être compliqué. Je sais pas si je pourrais animer ça pendant 2 heures. On verra bien, on a la cool ici, de toute façon. T'es chiant, on changera. Il est trop chaud, mon perso. Calme-toi, calme-toi, Philippe. On va changer un peu de perso. Dépouiller, dépouiller. Tiens, hein, je vais pas dépouiller. 75 000. C'est pas assez, 75 000, on devrait pouvoir parier 300 000. Ah ouais, carrément. Oh là là. Bon S. Excellent. Le combat sera intéressant. Ouais, blabla, ton nom, on dirait une marque de lunettes là. Tum, 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 tum. Des gens sur le même X là? Ah ouais. Le Prime Thanatanos. Très bonne chaîne de Saint-Louis pour ceux qui veulent. Cible 10 000. Partout, hein. Ouais. Pourquoi j'entends plus le moteur? Bizarre ça. Donc vachement en musique mais pas le moteur. Étrange. En fait, qui gagne vu que... Comment ça, je suis 3ème sur 5. Ah non, je suis 1er, c'est 3ème tour. Mais qui gagne en fait, vu que personne se fait éliminer? Bon bah. On va trop bien ce mode, tu vois. Faut faire un objectif de drift par tour, mais... Merde. J'ai réussi quand même à leur mettre une sacrée... une sacrée distance quoi. Alors là, le champion c'est le château. Ah mais là de ouf. Mais quoi? C'est quoi ce nom de enfin ce bruit de dump infini? Ah j'adore, attends, faut... attends, arrête, arrête, arrête. Faut que je mette ça. Incroyable! Incroyable ce finish! Extraordinaire! Bien, j'ai pas vu les chronos, c'est pas grave. Incroyable. Incroyable.
Ah ouais, c'est vrai qu'il y a plus d'emmanches. Je vois une tête de Mickey. Bizarre ici. Ah, j'ai fait de parler avec personne, je me suis enjaillé. Non. Ouais, non. Cool, hein, tu touches, tu perds que la moitié. Hein. Bordel. Non. Non. Incroyable. Ah, c'est l'anarchie de ouf! Mais éliminé quoi! Merde! Qu'est-ce que tu veux drifter dans ces conditions? Ok, bon, on va tout donner pour la dernière. Le visage dans la montagne, on dirait un... Non, on dirait un vieux montage. C'est un vieux montage, mais bref. Non, ça me fait taper des barres, quoi. Genre, c'est un gars en freelance qui a été engagé pour un, je sais pas, un marchand de glace. Pas un marchand de glace. En mode, putain, j'ai trois logos de ouf. En fait, non, c'est juste très creepy. Pour la peine, quelqu'un va payer. Au sens propre. Ah oui, chaud tout le temps. Ah, on finira évidemment le stream sur un pari du public, c'est-à-dire qu'on va juste regarder une course et on va encourager quelqu'un. Ouais, on va mettre de l'argent dessus, on peut se faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mais genre beaucoup. En général, je parie sur le gars le plus sous-coté. Pas glisser dans ces conditions. C'est propre. Merde. Ouah! Oh, j'ai peur! Ouais, j'ai le championnat, c'est bon. Mais on spoil le résultat. Bah. Écoute, vu qu'on va faire du drift, on l'a mis après.
Mais attends, c'est la version... Version ça? D'accord, c'est la version originale, pas de soucis. Au début on entend quasi rien, tu sais. Bon, j'ai gagné. Non, on va la mettre après. Surtout quand c'est l'anarchie en fait, quand je suis tout seul, non, mais quand c'est l'anarchie, ça peut être sympa. Ça m'arrange de faire un montage comme ça, tu sais. Progressivement, tu vois tous les drifts de plus en plus dingues, c'est aussi de plus en plus de bordel. Breakfast, ça pourrait être sympa sur Breakfast. Longtemps qu'on n'a pas joué à Breakfast. Bon, on va faire du drift. On l'avait fait sur Boom Boom Rocket. On finira, il nous reste 30 quelques pourcents, j'ai pas fait gaffe. J'ai eu 60 et quelques. Une épreuve de drift supercar. Une course de nitro extrême. Oh, c'est dommage, c'est l'enduro, putain. Fait... Vas-y, encore du drift. Cette version, vas-y. Là, on entend mieux. On entend mieux sur celle-là. Hop. Alors. Battle Royale. Ah oui. Ah ouais. Je suis con, j'ai fait solo là. En Google. Ah si je fais solo, c'est vraiment con hein, ce que j'ai fait. Est-ce que ça passe sur du solo? On peut le mettre sur du solo? Ah c'est dommage, je suis tout seul. Non, ça passe. C'est le challenge de drift en solo. Ah je suis solo. Putain. Est-ce que ça passe? Est-ce qu'on peut la mettre? Essayons, on verra. Okay. On entend la musique derrière, c'est bon? On va mettre plus fort. Bien. J'attends que ça pète. Non. Faire un million en plus. Oh c'est bon. Putain, faut rater une épreuve de drift qui fait exactement la bonne durée. J'adore. J'adore cette musique. T'es bien, ça serait tombé pile poil à la fin. Ça aurait été trop bien. J'adore. Ça fait 2,33 exactement. Stylé. J'aime bien. On lâche un pouce bleu. Non, sur l'autre aussi, attends, y'a pas de raison, même si on l'a pas écouté. Forcément, je peux plus cliquer, c'est ça. Oh, insupportable. Insupportable! Pourquoi ça bug comme ça?
là là. Tu. Pourquoi ça fait ça? C'est insupportable. Pourquoi ça fait ça à chaque fois? Ok, je peux plus la rouvrir. Et putain! attends, c'est là. Pourquoi ça fait ça en fait? Ils ont pas corrigé ça en fait, quand t'as des liens dans OBS là, ça fait toujours cette connerie. Genre, je peux pas. Pourquoi ça fait ça? D'habitude, j'aurais dû faire débugger le truc, mais attends. Ça, hop. Ah là là. Et merde! Je peux pas cliquer. Ah! Celui-là, ça fonctionne. Ok. Oh putain, un remix incroyable. Incroyable. 5 minutes, bah du coup on va se faire un petit enduro, tiens. Bonne de bande, quoi. Voilà. Tout 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 tout. On va peut-être éviter l'italien en ce moment. Incroyable. Ah, j'ai pu cliquer sur le premier. Oui, j'ai un petit like. Alors. On fait le pari. Bon, j'en ai marre d'aller trop loin. Je dépouille la première personne que je trouve. Oh là là. Les fiottes. Trop bien. Eh, pour voler, c'est trop bien ça. Franchement, c'est avec le connerie de mon dos. J'avoue. Je sais pas si je préfère un Fallout ou Mad Max. Juste qu'il ferme les villes. Vu comment t'as vu les mecs, enfin non, je le mets pas sur Twitter, mais sur Instagram, là y'a des mecs qui volent à Shanghai. Du coup, vu que la ville est fermée, ils font du FPV, volent en drone. Tranquille. Meilleur plan du monde là. Imagine Paris fermé. Tape les meilleurs burns au Trocadéro. Typiquement pour voler quoi, j'adore. Ah, je suis décalé aussi. D'ailleurs, c'est le Covid, hein, maintenant. Ah, c'est chill hein, pour l'instant. 370 quoi. Do 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 do.
Ah oui, j'avoue. Vu comme ça, je participe aussi. Ça va finir en... Comment il s'appelait ce jeu? Un jeu qui avait un bon potentiel développé par des Français d'Asobo. Asobo Studio. Fuel. Ou Fuel. Fuel. Un jeu avec une map gigantesque, tellement grande qu'il fallait charger la map carré par carré. Avec différents environnements, des montagnes de ouf, des volcans, des plaines, des forêts gigantesques totalement cramées. Et en fait le pitch c'était que après une pénurie de pétrole, et ben en fait les derniers gars faisaient la course pour l'essence. Alors c'est pas vraiment très logique mais... mais c'était sympa comme jeu, Fuel. Je crois pas que je l'ai. J'avais quasi torché, il manquait qu'un succès, c'était finir les courses multijoueurs. Ça a jamais fonctionné. Il y avait de l'idée. Je sais plus où ils sont les gars. Ils sont en joie de... ouais, t'imagines. On évite de le perdre celui-là, tu vois. Imagine, ouais, c'est bon. On a un peu d'électricité, une console. Ah ouais, ouais, j'ai sauvegardé des jeux. Ah ouais. T'as quoi, Fast and Furious? Non. Le mec, il sort derrière, tu sais, dehors avec la radiation et tout, tu vois. Je vais mourir. D'ailleurs, faut que j'avance sur ma saison 2 du retour. Futur retour. Du visiteur du futur, putain. C'est ouf, hein, le truc, j'ai entendu parler pendant je sais pas combien de temps. J'avais jamais regardé. Épisode 6 ou 7, je crois. Ah, des pneus sauteurs. Oh. Oh, c'était presque synchro. Oh non, c'est dommage. Oh dommage. C'était beau. Ça, ça part en like. Donc ça, c'était pas celui-là que je voulais liker. Ça part dans une playlist. Ça part dans la playlist musique. Dans la playlist voiture. Et dans la playlist montage. Hop. C'est une bonne musique de montage. Doudou. Qu'est-ce qu'il peut avoir comme c'est quoi, je vais taper 5 fois Yves Remix. Parce que je sais pas, peut-être qu'on va tomber sur des trucs sympas. En général, j'écoute pas de remix, je pense pas en fait. Alors, 5 fois Yves Remix, Lana Del Rey, Summer Time. Arrête. Oasis. Take on me. What? Summer Time en 5 Wave. Déjà que l'original. Vous savez, beaucoup de gens n'aiment pas Lana Del Rey, moi j'adore. Trop bien. Que ce soit bien fait, mais bon. Oh là là. Rien que pour ce genre de musique. Alors, excusez-moi, hein, mais ce bruit-là, si je peux me permettre, ça me fait penser à... un truc que personne connaît ou presque. Vraiment, vraiment. On va voir si je suis vraiment totalement fumé de la tête. On va écouter ce petit son là. Quand la mélodie commence. Putain, elle commence jamais cette mélodie. Tintintin. Ok. Ça me fait penser à... je sais pas pourquoi. Hein. Non, ta gueule, ta gueule. Ah, ça me fait ça pour ça, ça en fait.
juste ça. Mon cerveau juste a fait la connexion, hein. J'ai pas dit que ça ressemblait et que c'était de la copie, mais enfin ça... Voilà. Juste. Ah quand même hein. Bah, on a compris le projet. Tiens ensemble quand tu sais pas quoi. Tu sais dans Skyrim. Devant un boss. T'es une mauvaise épouse. Et jamais, jamais je te bon. Pardonnerai. On peut faire l'amour, s'il te plaît. Putain, attends, faut que je les mette dans la playlist quoi. Mais vraiment, sincèrement, est-ce que tu connaissais cette musique là, celle-là? C'est un délire avec un pote à moi. C'est un truc de ouf. Faut que j'envoie une vidéo là. Je vais faire taper des bains. Alors je suis en stream et je fais écouter ça. Il y aura pas le son parce que dans mon casque. Il débarque quoi. Hop. Voilà. Stop the rain in the night. En fait, ils ont un problème avec la nuit en fait. C'est quoi? Je t'envoie le clip parce que vraiment ça a regardé, on est tombé ça là-dessus par hasard. C'est de la... Je crois que c'est italien ou allemand, je sais plus, tu sais, c'est ce qu'ils appellent la... Comment ça s'appelle? De l'Eurodance, tu vois. Ah là là. Silent Circle, Stop the Rain in the Night, ils ont fait aussi... Touch in the Night. Voilà. Ils ont des problèmes. Je sais pas si tu me diras merci. En vrai, la musique est un peu dans le délire des années 80, y a pas de soucis, tu vois. Mais c'est juste... c'est les effets. La coupe de vœux, c'est folle. Silent Circle est une entreprise de communication cryptée. Alors, ça n'a pas de ça. Silent Circle est un groupe musical allemand formé en 85. Le groupe est un trio composé du chanteur Martin Tixen, du claviériste Axel Brittung et du batteur Jürgen Behrens. Il se fait connaître en 86 à travers la chanson Twitch in the Night. Ah ouais, d'accord, je pensais que c'était... Allez. T'as gagné la première manche, mais pas la partie, c'est pas fini. Mais y'en a trop là. T'imagines, j'aurais jamais assez de boutons sur mon truc. Incroyable. Bah attends, faut que je ferme des trucs là. Ok, ok. Ça j'ai liké, c'est bon. Twitch, pourquoi j'ai Twitch? Je sais plus. Les émoticônes de récompense par période des bits sont disponibles sur votre chaîne. Ah ouais? Hein? Ah putain, je peux modifier les icônes des bits! Trop bien! On s'en fout. Vraiment, il va falloir se pencher là-dessus. Hein. Faut qu'on se professionnalise. Regarde jusqu'au bout. De. Ok. T'as gagné la première manche, mais pas la partie, c'est pas fini. Ah merde. Putain, ça ressemble tellement en fait. Maintenant que je l'ai remis, ça ressemble tellement. Le remix de Nadré. Bref, calmons-nous. Sur le temps passe. Oh là là. Oh là là. Vraiment, rien que pour ça, je vais refaire des faits. Les gars, tous, qu'est-ce qui continue à vous motiver à faire du FPV malgré les problèmes techniques et le coût? La Sainte Wave. Pas la Sainte Wave en mode, hein, c'est... Quoi que ça pourrait être drôle, la Sainte Wave. C'est de la Sainte Wave, quoi. Du coup, faudrait faire une journée pour la Sainte Wave, quoi. Une journée où on fête la Wave, ce sera la Sainte Wave. Incroyable, on raconte beaucoup trop de conneries. Ah putain. Et eh bien on le printemps hein. La patte sur la portière. J'aurais la gorge à force de rire. Ça marche. Oh là là. Du coup on a que du drift. On a que du drift. Bon non, on pourra pas faire les 100% parce qu'il nous faut 30, enfin encore 25 millions. On va pas retourner comme un cassos. Remporter un clash drift obliterator avec voiture en jeu. Ah non, une course, attends, calme-toi, calme-toi. Voilà. 19, 14, 12. 12, c'est bien 12.
Je sais pas en fait, parce qu'ils sont autant pétés les uns que les autres. Je suis décalé, faut trouver un moyen pour pas décaler ma voix. Qu'on lui repique une R33, mais bon, pour la 300. C'est vrai que c'est une bonne bannière, j'ai oublié cette caisse. C'est la bonne chance dans le coin là. La 300, c'est vrai que la 300 là, on a oublié cette caisse. Donc combien de caisses ça? J'avais zappé. 24 portes, mais bon. Ouais, c'est rare, ça doit valoir une blinde. Ouais. Mais l'intérieur est fou hein. L'intérieur de la 300 ZX je crois. L'intérieur est dingue. Attends mais driver X qui est 7ème bordel. Merde, mais c'est une folie quand même. La musique qui s'arrête. C'est une dinguerie quand même. Bon, like. Next. Non, ça je connais pas. Oh, incroyable. Alors là, extraordinaire. Eh, c'est reconnaissable, hein. Incroyable. Bon, je me renseigne pas à cette version, mais c'est drôle. Carré qui en apparaît, vraiment merci. Ah, tu sais, je vois en quoi parce que je joue à la voiture, hein. Rien à voir. J'ai le jeu, chérie, fais-moi peur. Hein. J'ai les deux sur PlayStation. Je pense à ça d'un coup. On regarde ça à la fin de la course. Alors, Bobby, on s'enflamme?
Équipe deuxième, comment ça équipe deuxième? Mais triple buse, on a la fin. Oh, je vais le buter. Ah, oh, je vais le buter. Ah, oh, je vais le buter. Je vais recommencer. Ah, oh, je vais le buter. C'est quoi ça? Pourquoi, monsieur Anderson? Pourquoi? Répondez-moi. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que je vous demande pourquoi vous mangez okay, d'accord. Votre caca. J'ai pas vu celle-là. Pas eu de réponse précise à cette question, monsieur Anderson. Est-ce que c'est une sorte de défi comme le Ice Bucket Challenge? Est-ce que vous avez été tagué? J'ai vu toutes les vidéos. Est-ce que mais... vous avez été tagué par un panda moqueur ou est-ce que c'est une sorte de tuto cupcake que vous avez suivi pour manger votre caca au KLM, monsieur Anderson? Il prend un peu la voix de. 10 ans, cette question me taraude, de Le Pen, quand même. C'est comment? Vous êtes une espèce de blogueuse beauté qui se fait des masques à la merde? Ou alors vous êtes une sorte de vegan de mes deux, mais uniquement avec le caca? Ça va trop bien en fait. Anderson, depuis 10 ans, ça m'obsède. Je veux savoir, peut-être que vous êtes une espèce de saloperie de journaliste de Vice ou de Combini qui a fait un article qui s'appelle « Depuis 10 ans, je mange mon caca et voici les effets sur mon organisme ». Je veux savoir, pourquoi mangez-vous votre caca? C'est quoi les pailles? Et il le fait trop bien. Ça va tellement bien. Ouais, je veux parce que c'est halal. Je l'avais carrément pas vu pourtant. Je suis genre depuis Dailymotion, je crois, lui. Ouais, et le premier commentaire, on sent un petit arrière-accent de Jean-Marie Le Pen, mais de ouf. Ah, putain. On veut plus. Bon, dégage, Rammstein, c'était sympa, mais faut pas déconner. Hans Zimmer, Interstellar, en Synthwave. Je suis pas convaincu, hein. Ouais, là, je suis dingue. Je suis pas convaincu, tu vois. Je préfère le thème d'origine. Non, par contre, la prochaine va être sympa. Oui. T'en étais bien là. Driver X de mes deux. C'est bon, oui, il s'appelle Driver X en fait. C'est pour pas qu'on retrouve et qu'on porte plainte contre lui. Tellement c'est une buse. À la fin de celle-ci, on va voir. Attends, on regarde déjà qu'est-ce que c'est. Ouais, forcément. On va déjà écouter un stream celle-là, non? Bon, allez, Toto, y'a pas trop de différence, hein. Tandis que c'est déjà de l'année 80. Ouais, mais Toto en Synthwave, mais c'est déjà des années 80. Pas trop cassé quoi. Driver X hein, forcément hein, au 6ème hein. Carrément, la violence des gens. Incroyable! J'essaie de l'aider, mais c'est un gogol.
Au dernier tour, là, il se... qu'est-ce qui se passe là? Alors. J'essaie de le protéger, hein, que je dise. Est-ce que moi je dois gagner par contre? Mais bon, on est en équipe donc ça passe, non? Il s'est pas cassé pour le remix. Il s'est planté. S'est planté quand même. Le gars s'est planté. Ah putain, ça a failli. Eh ben je ne like pas ce remix. Non, je suis désolé, je trouve pas ça ouf. Ah là là. Bon, les 54, on se fait une petite course. Bravo le. Ça va, on a quand même gagné. En fait, si tu passes la ligne d'arrivée, en fait, ça arrête la course à ce moment-là, du coup. Bon, ça c'est fait. On fait un peu de drift. Bon, on pourra pas avoir 100%. Dommage. Je vais me prendre une coupure de son à cause de ça sur YouTube. Tous les Forza ils passent. Hein. Tous les Forza, j'ai oublié de couper la piste son, machin. Ouais. Une autre année. Treize déblocages de esthétique. Du coup, c'est quoi ça? 1 million de points dans le challenge drift enduro prototype. Drift enduro prototype. On voit pas de drift enduro prototype. Y'a pas? Un challenge drift enduro prototype. Il parle. Ah d'accord, c'est un truc à part. Bon, il nous reste quoi ça? On verra. Une triste supercar, ouais. Voiture en jeu? On va se la garder pour la prochaine fois. Cette pilote. Ah, plus on est de fou, plus on rit. Une musique cool sans rien de. Non mais ça sort. Non, je me ferai pas striker mais. Ok d'accord. Va le voir. Mais en fait c'est qu'il te coupe le son à ce moment-là. Non, il te bloque la vidéo. Forza il bloque la vidéo dans tous les pays à chaque fois. Mais c'est pas grave tu vois. Faut juste passer, supprimer le son. Ça essaye vite fait de supprimer la musique. C'est pas grave, je m'en fous, de toute façon je gagne rien. Moi juste demande que la vidéo est pas bloquée. On peut Ah non, on peut pas. Toujours 75 000. Allez, dans la course. Oui, il est chaud d'ouf. Mon pote vient me répondre. Du coup, dédicace pour lui à la VOD. Hein. Écoutez, Stop the Rain in the Night. Allez, let's go. We'll be right back.
n'a pas changé de vue une seule fois. Est-ce que j'arriverai à apprendre le... Hein? Non. Tu dois connaître mon espèce, elle chante et danse avec allégresse. Où il y a... Faut que je le fasse au jeu. On trouve le chanteur, il massacre et tue avec grande ardeur. Je clame ce chant de tout mon corps. Écoute, car cet interlude sonne ta mort. J'adore quand il fait « Sonne ta mort !» Ça me fait penser au gars qui chante dans Skyrim. Avec sa tête de rouquin à rouler dans la rue. Alors attends. Bon, du coup, on a quoi comme reprise? Non. Non. Ah bah tiens! Regarde d'ailleurs. Ah, celle-là, je suis hyper curieux. Est-ce que j'aurais ça à reprendre le drift? Oh! Ça c'est bolou ça. Non. Ouais, exactement. Je crois. On écoutera après, mais je crois. De toute façon, il y en a deux qui n'arrêtent pas de chanter en boucle. Et ça me fait rire toujours autant. De la première fois que j'ai entendu à... Ah maintenant. Je reconnais pas la chanson alors je connais le titre là par contre. C'est pas de la Synthwave ça. Hein. Ouais c'est pas... Bon ça fait chier là, je suis... Troisième. Il reste 7 secondes. C'est de la merde. C'est de la merde, c'est pas du tout de la Synthwave, c'est de la merde. Ah non, je suis désolé, non. Pas d'accord. Alors. Putain de merde. Ouais, c'est ça, ouais. Faquin pérorait la rapière à la main, se vantant de victoire et d'énormes butins. Alors sur butin, est-ce qu'on peut s'arrêter sur butin? La première fois, même les premières fois que j'entends dans le jeu, j'ai pas forcément compris butin. Voilà, c'est tout. Butin, énorme butin. Voilà. Encore s'y entrer par hasard, Mathilda la guerrière n'avait dit à Ragnar. Un peu trop menteur et tu bois dans nos verres, je crois bien qu'il est temps que l'on te fasse taire. Mathilda la guerrière a sorti son épée et le fracas des armes a enfin pu parler. Ce vantard de Ragnar, vous ne l'entendrez plus. Sa tête de rouquin a roulé dans la rue. Je rigolais avant. Je rigolais avant. Je rigolais avant. Ah oui, bah on a tous compris la même chose au départ. Je rigolais avant, je connais la chute. Je l'ai entendu 8 millions de fois, je la connais. Putain, merde quoi. Chier. Bon, on veut une... Alors, ma naissance, c'est de la merde. Ça. Ça serait drôle. Un jour, faut que j'aurai les deux derniers répéteurs. Merde. Mais les gars, c'est de la merde ça! Je suis désolé, c'est de la merde! Eh ben, j'aime pas ça, j'aime pas l'original. Mais là, elle passe bien. J'aime pas du tout Ed Sheeran. Mais ça passe, là ça passe. Ça passe carrément. Ok, il y en a pas une qui me fait kiffer à part le début, c'était bien celle-là. Thank you.
Ouais, mais c'est de la Dark Wave, ça. Alors, la Synth Wave, quoi. Je suis désolé, hein, ça a rien qui va. Hein. C'était Eye of the Dagger. Ah, ça passe bien. Y'a peu qu'à me faire un drone avec des lumières cheloues et à voler la nuit. Regardez la réaction des gens. C'est de la merde. Insupportable. Oh là là. Mais sérieux? Rendez-moi ma je sais plus quoi, ma naro là. Je valide. Oh, ça déjà de base. Ah, mais ça aussi de base ça ressemble. Alors écoutez. Là, quand tu prends du week-end pour en faire la Synth Wave, j'ai envie de te dire. Autant essayer de prendre. Quoi. La pâte à pain pour en faire de la pâte à pizza quoi. Ah quoi. C'est proche quoi. J'ai pas de feeling avec le M3. Oh, MG quoi. C'est une blague. Ah, je passe en tête instant. Ah, c'est plus le cas. C'est un truc de ouf, hein. Cette BM, c'est de la merde. Une lutte, ouais. C'est assez stylé. Est-ce que j'ai déjà touché une lutte? La seule lutte que j'utilise, c'est dans Première Pro. Pour ceux qui voient de quoi je parle. Sauf que j'en utilise pas. Mais j'en ai déjà utilisé. Mais l'instrument, est-ce que je t'ai mis? Je crois pas. La harpe, oui. Le DJ Roudou, là, oui. Je crois pas. La fameuse lutte gréco-romaine. Je peux pas passer à 5. Incroyable, je peux pas passer. Quoi? C'est de la merde, cette caisse c'est de la merde en boîte. Alors, regarde-moi ça. Tout à l'heure j'en kill les scores de ouf.
Mais putain, mais merde quoi. Ouais. C'est vrai que sur PC y a tellement de modes. Pour ça je le prends pas sur PC. Je vais tout essayer, ça va cracher. Télécharger un milliard de fichiers. Je sais pas ce qui passe après, hein, donc voir si j'arrive à reconnaître. C'est de la merde. OMG quoi. OMG quoi. Katy Perry, j'écoute pas, donc je pouvais pas savoir. Hop, ça dégage. Incroyable, on va rester 30 ans sur cette course de merde. Incroyable. Sur 1 million de tout à l'heure, là, on me change de voiture, c'est catastrophe quoi. On va tranquillement en train de regarder le live quoi, mais non. Pardon. J'ai voulu arrêter de drifter exprès. Hein. Exprès, je me suis dit, vas-y, j'arrête. J'ai. C'est la même musique, putain. Y'a aucune différence. Bah oui. Est-ce que c'est bien la musique que je pense? Ça c'est très drôle. Si ça, ça c'est très marrant. Ouais, je crois que c'est ça. C'est ça. Je
Alors. Mais du coup. On part à ça. Hop. Ok. Ok. Tac. Tac. Bon, c'est fini, t'as. Merci, merci Romain. Oh, incroyable quand même. Putain, juste cette M3 de... Hein. En plus, je sais pas, Most Wanted, tout ça, c'est la même, quoi. Tu vas te faire mal, toi, arrête. Ah là là. Pardon. On aura même pas... même pas eu 6 millions, quoi. Incroyable. On a pas une derrière Sun Circle, c'est fini. On a pas un dernier... Ah. Attends. C'est très proche de l'original. Enfin bon. J'aime beaucoup. Mais il faut que je compare celle-là. Ouais, bah oui, c'est celle-là. C'est celle-là en fait. Attends. C'est bien ce que je pensais. Évidemment, c'est ça. C'est pour ça que c'était très drôle. Je tape un remix synthwave de Initial D en fait. Le best mode que j'étais, je mets mon squelette en sword dance. C'était une épée quand tu regagnes, tu vois un squelette, ça les fait danser. Incroyable. Il vous faut ce jeu sur PC. C'est bien ce que je pensais. C'était bien Initial D du coup. Incroyable. Même si je m'en faisais intégral Initial D. Non, calme-toi, c'est bon. Bon, du coup, on aura, bah, il nous restera 78%. Bon, voilà. Après, avec 1, putain, mondial, élite, il nous reste tellement de trucs à faire. Incroyable, ce jeu ne finira jamais. Et on a que dalle comme succès dessus. On apprécie. Allez, merci beaucoup. La VOD, les liens description pour venir ce sub, évidemment, et monter dans le train de la hype. Non, c'est incroyable, en tout cas. Merci beaucoup hein, pour les subs ce soir. C'était très, très fou. Merci à tous ceux qui sont passés. C'était bien sympa pour ce début de semaine de stream. Demain, on se retrouve 20h Fable. Et je crois, Liftoff. J'en suis même sûr. Demain, après Fable. Et en fait, pas du tout. Et je raconte que de la merde. Et si, Liftoff, totalement. On va découvrir une nouvelle map demain sur Liftoff. Et puis voilà. Fab, j'espère qu'on pourra combler les 2 heures, parce qu'on est sur le DLC, entre guillemets. Voilà, Sims, tout ça, Deadly Creation. Pas du tout, Deadly Premonition. Un mélange de Deadly Creature sur Wii et Deadly Premonition. Bref. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui sont passés, les subs, tout ça, la présence, c'était bien sympa. Merci, Rouge, je te souhaite une bonne nuit. Non, et bien tout le monde, ceux qui sont là, ceux qui sont pas là, ceux qui... me suivent. Voilà, prenez soin de vous, c'est très important. À demain. Tchuss.